Dislog, c'est une entreprise de distribution. Nous avions acquis cette entreprise en 2005, il y a à peu près maintenant 14 ans. Nous en avons fait en 14 ans un grand distributeur basé sur un concept qui est celui de ce qu'on appelle le full service provider. Comme vous le savez, 97% de notre chiffre d'affaires est fait avec des multinationales. Et les multinationales ont besoin d'un opérateur qui puisse leur offrir du service au niveau transport, au niveau distribution, au niveau merchandising, au niveau marketing, publicité, médias. Et donc nous avons lancé autour de Dislog tout un écosystème d'entreprises qui lui ont permis de devenir cet opérateur de distribution et de logistique qui est full service provider. À partir de 2012, nous avons lancé un groupe de communication et de médias pour pouvoir toucher la partie consommateur dans la chaîne de valeur marketing. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un nouvel investissement en lançant nos propres marques sur quatre catégories de produits, le thé vert, les biscuits, l'huile et les détergents. À partir de là, on devient industriel et on a ce qu'on appelle une intégration en amont. Bien sûr, en fait, vous savez, quand vous avez un groupe qui a commencé pratiquement de très peu, 1,5 million de capital en 2005, aujourd'hui, nous faisons 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires de manière consolidée, nous employons 1600 personnes, nous sommes en phase de développement continu. Et à ce titre, je voudrais juste rappeler que la stratégie que nous avons adoptée a été une stratégie qui a été payante. D'abord, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, nous avons investi beaucoup dans les moyens, dans les capacités de la société, mais aussi dans nos ressources humaines, puisque aujourd'hui je suis très fier de mes équipes. Nous avons l'un des meilleurs COMEX de Casablanca, je le dis, j'en suis fier. Mais le plus important, c'est que nous avons bâti une relation crédible avec le système financier marocain, nos banques, mais aussi les fonds d'investissement. Nous avons été accompagnés par un premier fonds d'investissement, qui est CNAV, en 2007. Puis CNAV est sorti de notre capital en 2011. Ensuite, nous avons fait rentrer dans notre capital Amétis et BMCI Finance, que je tiens à remercier pour leur accompagnement sur les 5 dernières années. Cette entrée de capital de 40% nous a fait grandir, notamment par l'acquisition de notre plateforme logistique de Bouskoura. Et le mois dernier, donc le 8 mars, j'ai fait une annonce qui était celle d'avoir racheté les 29% de la Métis dans le capital Dislog. Ensuite, le 30 mars, les 12% de capital de BMC Finance dans le capital de Dislog. Et là, j'annonce l'ouverture de capital à un fonds d'investissement étranger pour injecter de l'argent, pas dans Dislog, mais dans la holding de tête qui est HNS Invest Holding, pour pouvoir financer ces projets de développement. On lance des projets, on est entrepreneur, on crée de la valeur, on crée des emplois, 700 emplois prévus pour les 18 prochains mois, 100 cadres prévus et 4 beaux projets industriels, sans oublier 2 autres projets importants. Un projet d'extension de nos plateformes et de nos capacités logistiques, puisque nous passons de 70 000 mètres à 100 000 mètres carrés couverts de surface à travers plusieurs lancements de projets, notamment un à Oujda, un à Tanger, un à Nador. Et puis, notre transformation digitale à travers un projet qui s'appelle Sherry.ma et qui consiste à lancer la première plateforme marketplace B2B dans le commerce pour nous permettre de pouvoir prendre le virage du digital et innover et faire de Dislog un distributeur qui soit innovant. Cela étant, nous avons des perspectives et ces perspectives sont des perspectives importantes dans le cadre de ce que nous avons appelé le cap 2025. Ce cap 2025 consiste à transformer notre holding de participation HNS Invest Holding en holding opérationnel, structuré autour de 6 business units. La business unit la plus importante, bien sûr, c'est celle de la distribution avec Dislog, mais il y en a d'autres qui sont importantes, telles que la business unit logistique avec donc Building Logistics, la business unit transformation digitale, telle que je l'ai dit, avec Sherry, la business unit communication et médias avec le groupe WB Africa qui aujourd'hui opère dans 7 pays africains, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest,
Nous avons aussi une belle business unit qui est en train de se préparer en devenir et qui est celle du pôle agro-industriel avec quatre sociétés dans différentes catégories et qui va être dirigée par Ali Tazi, fondateur du groupe et aujourd'hui vice-président en charge du développement. Et enfin, et ça je vais le laisser pour la fin, nous avons la business unit internationale, puisque j'annonce aujourd'hui que nous avons créé Dislog International, société basée à Singapour, pour prendre une participation dans le distributeur de notre plus grand partenaire, notre partenaire le plus important, Procter & Gamble, à Singapour. Et donc c'est une opération que je suis en train de closer dans les jours qui viennent pour pouvoir commencer à opérer en Asie. Alors beaucoup de gens me disent pourquoi l'Asie, c'est trop loin. Je vous réponds de manière très claire. Autant sur du service, c'est facile d'aller en Afrique parce que c'est naturel et c'est à côté. Le service voyage de manière facile quand on est une banque, une assurance, un opérateur de télécommunication ou même une société de créativité, de médias et de com. Mais pour tout ce qui est produits physiques et logistiques, tant qu'il n'y a pas un accord de libre-échange avec les pays africains, avec la CEDEAO ou même avec l'Union du Maghreb arabe, où je considère que c'est notre marché naturel, il va être difficile pour nous d'aller en Afrique. Donc, nous sommes résignés à aller sur d'autres pays. Et les pays que nous considérons être les plus proches de nous en termes de réseau de distribution et en termes de consommation, c'est les pays du sud de l'Asie. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi Singapour comme base pour essayer de rayonner sur le sud de l'Asie dans les prochaines années dans le cadre de notre plan CAP 2025. Le CAP 2025 consistera à délivrer un chiffre d'affaires global de 6 milliards de dirhams et un EBITDA de 300 millions de dirhams in fine, nous permettant de pouvoir, avec le fonds d'investissement qui rentre avec nous, analyser des perspectives de sortie intéressantes et pourquoi pas une introduction en bourse nous permettant de devenir un opérateur leader national qui opère à l'international avec de la valeur marocaine à l'international, de l'expertise marocaine qui va à l'international et qui pourra être coté en bourse de Casablanca pour pouvoir être un opérateur liquide et un opérateur au meilleur standard de gouvernance que nous avons au Maroc et au niveau international.